Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien, monsieur, les jeux? 2 euros, c'est ça, monsieur? Oui, excepté... Excepté, alors il y en a un, je crois que c'est 3. Il y a 2 exceptions. D'accord. Il y a 2 exceptions. Il n'y en a pas. Ici, 6. Et je ne me rappelle plus le 15. Non, c'est celui-là. 4. Et c'est les autres, c'est en 2, c'est ça? Sinon 2. D'accord. Ah, il n'y a pas la notice sur ça. Non, non. Ils sont corrects, hein, il n'y a pas de problème. Il y a que celui-là, il a la notice. Ouais, a... Je vais prendre celui-là déjà. Oui. Je vous laisse faire, vous me dites. Hein. Oui, oui. Merci madame. Bon, il donne du pigeon, c'est... Ouais. Voilà. Bonjour. Les figurines comme ça, elles sont 8 euros sauf le U qui est en machine sur 17. D'accord. Bonjour. Un jeu vidéo, c'est tout ce que vous avez? De Assassin's Creed, c'est tout? D'accord. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux de Play? Je vends le lot. Ah, c'est qu'un seul lot? Ouais. Combien vous vendez? 150. 150, d'accord. Discuter, quoi. Ok, ok. On est 28 ou 30, je ne sais plus exact, mais on n'est pas loin, quoi. Il y a un peu de tout, hein. Ouais, ça marche. On peut discuter un peu, hein. Ouais, ça marche. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les petits jouets dans le bac? 1 euro. 1 euro, d'accord. Maintenant, tu vas chercher les vêtements? Non, non, on prend un café. Ah, puis, on prend le café. Si, j'y vais. J'ai mis un vrac, monsieur. Hein? Ouais. Du vrac. Je regarde ça, ouais. Il y a de tout, surtout pour garçons. Ils sont tous à 1 euro? Il y a 50 centimes, il y a 20 centimes, il y a graphie, il y a tout. Hop. Vous les mangez, vous voulez pas. Mais il n'y a pas de figurine. Moi, 50 centimes, je veux bien, mais 1 euro. Non, ça dépend des. C'est tort, lui. Mais tort, il s'est fait tordre un peu. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas les bons. C'est pas les bons.
Je pense que c'est mélangé. Ah oui, d'accord, ils ont mélangé des trucs en fait. Non, mais non, mais on a tout mis, c'est du. C'est du vrac quoi, il y a des trucs. C'est vraiment du vrac. Ouais, mais s'il manque des pierres, c'est un peu. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des trucs qui sont. Hein, il manque un pied. Ah, ça, c'est le pied de qui? Peut-être du Thor, je crois. Ah, vous voulez dire que mon fils, il a mélangé? Ouais, voilà, il a mélangé. Ah, bah, il y a des fortes. Là, par exemple, il y a juste un buste, il n'y a pas. Ouais, il y a le reste. Que ça, voilà. Ah, mais il s'est éclaté. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? Combien tu le vends, Jérémy? 5 euros. 5 euros et les jeux de. 5 euros, d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les jeux vidéo, madame? Alors, mon fils, il m'a dit 5. C'est les PS3. 5 euros, d'accord. 3DS. Hop. D'accord. Et là, c'est une deuxième, si vous voulez. Oui, mais il y a ça. C'est la deuxième. Hein. C'est pour les bébés, vraiment, qui est un an. Bonjour. Vous les vendez combien, les jeux? 5 euros. 5 euros? C'est tout ce que vous avez en jeu? Oui. Ouais. Et si je vous prends juste 8, c'est 2, ça vous va? Ok. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien? 2 euros. 2 euros. Il a fait la guerre celui-là. Hein? Il a fait la guerre celui-là. Non, il est non patiné. Ah, il est patiné, d'accord, ah ouais. Ça, c'est des pop, ça? Oui. Vous les vendez combien, les pop? 10 là, euros pièce. Ah, 10, 10. Après, c'est 5, 5 euros par... Par pop comme ça, ouais. Ok. Hein? Ils entretiennent, hein. Là aussi, c'est 2 euros, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça aussi, ça m'intéresse. Elles sont propres, hein. C'est pour ça que je te dis ça. C'est... D'accord. J'avais le gamin, il est... Vous me faites un prix si je prends un lot? Oui, ça dépend combien de temps tu prends. Je vais en prendre plusieurs. Ouais, ok. Je prends ça. Je vais te mettre une. Voilà, tout ce que tu veux, mets-le de côté. D'accord, après, ça marche. Du coup, je vais prendre je veux ça, ça. Ouais. Je vais regarder là. Là, si je prends ce lot-là, il prend combien? Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le jeu, monsieur, il a combien? Le jeu? Ouais. Il a 3 euros. 3 euros? C'est 9. Ouais.
Deux, ça serait bon ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bah, tu m'as pris des trucs. Toi, allez. Tu prends, je te... C'est gentil. Faire la collection de la carte postale là. Tu sais que c'est à qui on les vend, c'est ces cartes à 50 centimes d'euros, en marchant. Tu viens là, là, on sera approvisionné à 50 euros. Alors, tu me donnes ça. Après, quand il y avait de la place encore, il m'a donné 2 mètres de plus. J'avais 6 mètres. Du coup, j'ai amené. Je me suis dit, il y avait 6 mètres. Bonjour. 3 euros, d'accord. Tu sais combien j'ai fait? Bonjour. Bonjour. Vous la vendez combien la manette? 8 euros. 8 euros. Bonjour. Vous vendez combien les personnages? 50 centimes. 50 centimes. Ils ont besoin d'un coup de nettoyage. Ouais, ouais, bon. Je vais en prendre quelques-uns, je vais prendre ça. Je vais prendre celui-là avec la petite épée là. Hop. Je vais prendre celui-là aussi. Ah, vous la mettre à part là parce que. Ouais, oui. Prenons ça. Celui-là aussi. Celui-là. Celui-là. Et le camion, vous le faites combien? 2 euros. 2 euros. Vous me faites combien le lot? Avec le camion, avec le lot de personnages que je vous ai. Alors, attendez, ça fait. Allez, normalement, c'est 5,50, je vous le laisse à 5. Ça vous va? Le lot? Ouais. Allez, ça marche. Bonjour, vous lui vendez combien des jouets, madame? Les poupées sont à 1 euro. D'accord. Ce n'est pas le personnage qui va avec le cheval. Avec le cheval. Pas. C'est un, comme un squelette aussi qui va dessus. Pas. Il n'y est pas. C'est un squelette, hein? Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux? Non, alors il n'y a pas le. Ouais, c'est non. Quelqu'un qui a donné à mamie et du coup il y avait le squelette. Pas. D'accord. Hélas, 1 euro si vous voulez. Ouais, bon, je vais vous le prendre. Allez les amis, c'est parti, on va faire le débrief de ce vide-grenier live. Vous allez voir, il y a quand même de belles choses. Pas mal de jouets une fois de plus et quelques jeux vidéo sympathiques. Donc deux jeux rétro en boîte, ça, ça fait plaisir. On va commencer tout de suite avec les jouets. Avec, vous l'avez sûrement vu sur un stand, j'ai eu un lot Tortue Ninja. Vraiment pour pas grand-chose. Je crois que la dame vendait les tortues à 50 centimes unité. Et le camion, elle me l'a fait pour 2 euros. Voilà. Alors malheureusement, moi, ce camion, je l'avais déjà, mais il était cassé, il manquait tous les accessoires. Donc du coup, j'avais chopé ça, je ne sais plus, je crois que c'était en ressourcerie pour 50 centimes. Là, je le retrouve, on va dire, plus ou moins complet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mécanisme est fonctionnel. Donc voilà, le camion Turtle pour 2 euros. Donc vous voyez, on a le canon qui est amovible, qui est bien là. On a une sorte de bélier qui est ici, qui est fonctionnel quand on appuie sur le bouton ici, sur la cheminée.
Voilà, une sorte de bélier qui vient pousser un autre véhicule ou pour démolir une porte. Donc ça, c'est cool. Ça, moi, c'était sur le camion que j'avais, sur lequel il manquait tous les accessoires. J'avais pas ce système-là. Donc là, il est complet, c'est fonctionnel. Donc ça, c'est cool. Voilà, pour un petit camion Turtle pour 2 euros. Donc ça vaut vraiment le coup, je trouve. C'est un bon loot. Donc du coup, nous avons aussi des Tortues Ninja à 50 centimes qui étaient dans le lot. Voilà. Donc ça, c'est cool. 50 centimes unité pour les tortues. Et on a aussi un petit Leonardo, malheureusement, sans arme. Vous le savez, si vous collectionnez un petit peu les Tortues Ninja, que vous en chinez en vide-grenier, 90% du temps, on les trouve sans arme. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, sur notre stand, il y a une jolie figurine Hasbro 2016 Marvel. Je suis content parce que ces figurines-là, j'en ai quelques-unes, sont des figurines avec des membres interchangeables. Et j'ai pu choper le Thor, qui est vraiment magnifique, avec le marteau et la cape et l'accessoire sur la main droite. Donc ça, c'est cool. C'est des figurines entièrement articulées. Vous pouvez changer tous les membres avec d'autres personnages. Vous pouvez changer les têtes. Vous pouvez mettre un corps de Hulk sur le corps, une tête de Hulk sur le corps de Thor. Bon, voilà, c'est interchangeable. C'est Hasbro qui faisait ça en 2016. Et je le trouve vraiment sympa. Moi, j'ai du Spider-Man, j'ai du Iron Man, j'ai du Hulk. J'en ai pas mal. Et là, je chope un Thor. Donc ça, c'est cool. Il est complet en plus. Je chope aussi sur un autre stand, j'ai pris un lot avec plusieurs figurines Tortue Ninja. Il y avait du Power Ranger aussi. Alors, je ne sais plus, je crois que le lot, le monsieur en voulait 2 euros unité. Il m'a fait le lot à, je crois, 10 ou 12 euros. Je ne sais plus. On a une figurine un petit peu vintage Bandai 1998 Power Ranger. Un robot, malheureusement, il manque les points. Mais ça, je peux voir avec une amie parce qu'elle a une imprimante 3D. Donc, je vais voir avec elle si elle ne peut pas me refaire les points. On m'a déjà refait des points de vieux Bioman des années 80. Donc à voir, donc vous voyez, on a la tête comme ça du taureau, interchangeable. Mais bon, toutes ces figurines comme ça articulées, années 90, Bandai, Power Rangers, je les collectionne. Donc content quand même de rentrer celle-ci. Ensuite, on avait une autre Tortue Ninja, voilà. Avec une petite arme. Donc ça c'est cool, hein, toujours, moi je les collectionne, vous le savez. Une petite turtle. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Bien, encore d'autres tortues ninja. Voilà, ça c'est un peu plus moderne. Ça, c'est les tortues ninja de 2013, cela. Playmates Toys 2013, tortue ninja. Une sorte de tortue ninja plongeur ou je sais pas. Mais elles sont quand même sympas, je trouve, moi. Cela. Moi, je les aime toutes, les Tortues Ninja, donc surtout les vintage, mais même les modernes comme ça. Celles des années 2000, je les trouve sympas, je les trouve cool, donc je me les prends à chaque fois que je les vois à petit prix. Je les complète pour ma collection, je commence à en avoir pas mal du tout. Ah ben voilà, on a encore aussi un Leonardo comme ça. Très sympa. Ensuite, un turtle, ouais, il en reste encore une. Voilà. Une sorte de turtle biker. Et d'ailleurs, je me demande si j'ai pas la moto de cette tortue ninja. Donc ça, c'est cool parce que si j'ai la moto qui va avec, il manquera plus que les armes à trouver en loose. Mais après, j'aurai la turtle motard. Ça, c'est sympa. Franchement, elle est sympa, celle-là, je trouve. Voilà. Pour les tortues ninja. Et on a une sorte de Shredder aussi. Assez moderne aussi, je pense que ça doit être du 2013. Ça doit être la même époque ou 2016 peut-être. 2013, ouais. 2013, c'est la même époque que ces tortues-là. Voilà. Un Shredder. Ensuite, on a du Power Ranger. Voilà, un peu plus vintage celui-là. Je crois que ça doit être années 90. Ça a vu la tête du Power Ranger. 98. 96 celle-là, Bandai 96, Power Ranger tout articulé comme ça, c'est pareil, moi ça je les collectionne, hein. Surtout années 90 comme ça. C'est plutôt sympa. Voilà, encore du Power Ranger.
Toujours encore du Power Ranger. Ça, c'est quelle année? C'est Bandai 2007. Vous voyez, ça, c'est un peu plus récent, par exemple. C'est du Bandai 2007. Mais moi qui les collectionne, c'est quand même toujours cool d'avoir ça dans la collecte. Voilà la dernière figurine Power Ranger. Un peu en équilibre, c'est pas grave. Et la dernière figurine, c'est ce joli Spider-Man que je trouve vraiment classe. Est-ce que c'est, est-ce qu'on a quelque chose dessous? Est-ce qu'on a une année, une marque? C'est du 93 Marvel, on a marqué, ou 96 ou 93. Marvel 93 ou 96 pour ce modèle là. Donc un petit Spidey tout articulé, ça c'est cool. J'ai des véhicules aussi qui iront avec le Spider-Man. Ensuite sur notre stand, je me suis chopé un jouet Bandai 98, c'est un vaisseau Power Ranger. Voilà, un petit peu vintage années 90. J'ai des petits personnages aussi comme ça Power Ranger, donc ça c'est cool à mettre dedans. Et le meilleur jouet pour la fin, regardez-moi ce magnifique cheval. Donc ça, ça date de 1994 normalement, oui c'est ça, 94, c'est Playmate Toys qui faisait ça. Et là, on a vraiment un superbe jouet. Là, je suis très content d'en rentrer, c'est la première fois que je rentre ce style de jouet dans ma collection. D'ailleurs, ça va être le tout premier de ma collection. J'espère en trouver d'autres, mais bon, là ça c'est quand même assez rare, début années 90. Regardez-moi ce superbe cheval de la série animée Skeleton Warriors. Si vous ne connaissez pas ces jouets, franchement, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment de superbes jouets. On a pas mal de personnages aussi en squelette. Là, je rentre le Horse Warriors, le cheval du coup. Alors, on a un petit bouton ici qui s'actionne. Je pense qu'on devait avoir une sorte de missile devant parce qu'il manque une pièce là. Donc, je pense que ça doit être un missile qui s'est éjecté. Mais Skeleton Warriors, ça, c'est vraiment une superbe série animée et les jouets étaient vraiment magnifiques. Ils sont pas duré très très longtemps d'ailleurs. Je vous mets tout de suite le générique du jeu de l'animé Skeleton Warrior si vous connaissez pas. These are the tales of the Skeleton Warriors. Peut-être que ça va rappeler certains souvenirs à pas mal d'entre vous. Mais ce qui est sûr, c'est que les jouets sont vraiment juste magnifiques. Cheval Skeleton Warrior. Ça, c'est une très très belle pièce qui va rentrer dans ma collection de jouets. Je vous le remontre encore. Il est très très détaillé. Il est vraiment juste magnifique. Ça, c'est une très très belle pièce. Un très joli jouet. Je suis très très content de rentrer ça dans la collection. Maintenant, on va faire le tour des jeux vidéo. Vous l'avez vu sur un stand, on avait des jeux PS2 à seulement 2 euros. Je me suis pris le Time Crisis 2, voilà, qui est complet, pour 2 balles. Ça, c'est un super loot aussi. Hein. Time Crisis 2, le jeu de shoot de chez Namco qui se joue avec le Guncon 2 de la PlayStation 2, donc le pistolet. Nous avons le Soul Calibur 2 de chez Namco, du Versus Fighting. Donc Soul Calibur 2, je l'ai sur GameCube, mais je ne l'avais pas sur PS2. J'ai le Soul Calibur 3 complet sur PS2, mais je n'avais pas le 2. Donc là, je le rentre. Regardez la notice, la cover de la notice est juste magnifique. Donc là, je le rentre complet dans la collection en très bon état. Le petit Soul Calibur 2, ça fait plaisir.
Je rentre aussi le Def Jam Fight for New York. Celui-là, je l'ai sur la première Xbox, mais je l'avais pas sur PS2. Là, c'est pareil, vous regarderez, mais c'est un jeu qui est quand même assez coté maintenant. C'est du jeu de combat, c'est du versus fighting avec des rappeurs américains assez connus, notamment de la licence Wu-Tang Clan, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est vraiment, on peut jouer aussi avec le décor. Hein. On a vraiment un décor qui est interactif. On peut se servir des éléments du décor pour frapper ses ennemis. C'est vraiment sympa. Def Jam, c'est une super série de versus fighting aussi. Ça, c'est un jeu que je vous conseille. Ensuite, j'ai chopé un jeu sur Xbox 360 sous blister pour 2€. J'avais pas les deux jeux. C'est un bundle de deux jeux. J'avais pas les deux jeux, donc franchement, 2€, je me le suis pris. Voilà. Le pur et le Batman, Lego Batman, video game. Voilà, c'est un bundle copy. Le pur, c'est un jeu de quad, très arcade. Et bon, après Batman, c'est du Lego Batman. Voilà, ça c'est un jeu qui est tout bête, ça vous le retrouvez vraiment à petit prix, ce pur Batman. Mais bon, 2€, voilà. Il est sous blister, un peu, je me suis dit, je vais le prendre. J'ai pas les deux jeux sur 3.6, donc je vais me faire plaisir. 2€, je le prends direct. Et les amis, on termine tout de suite avec les deux jeux rétro en boîte. Vous l'avez vu dans le live, je me suis pris des jeux sur Game Boy Advance. On a le Disney Princess avec la cover qui est vraiment jolie, je trouve. Un petit Disney Princess, donc c'est vraiment du complet. Hein. Je ne vais pas tout vous déballer, mais on a la cartouche, vous voyez, avec la cale qui est ici. On a les notices, on a même les pubs d'époque. Donc ça, c'est vraiment cool. Hein. Que je ne dise pas de bêtises, mais on a bien les pubs. On a les pubs, l'avertissement, même des pubs pour la Nintendo DS qui sortait en fin de vie de la Game Boy Advance. Et bien sûr, la petite cartouche Disney Princess qui est ici. Hop, je vous montre qu'il s'agit bien du bon jeu. Donc ça, franchement, écoutez, la dame en voulait 5€, il y avait des jeux DS. Peu importe le jeu, même les DVD, il y avait un DVD de Mario, rétrospective Mario, elle en voulait 5€. C'était tout à 5€. J'ai pris les deux jeux rétro en boîte et je lui ai proposé 8€. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci pour 8. Je voulais faire 8, voilà, donc le Disney Princess pour 8€ sur Game Boy Advance. Et on termine avec un bundle de deux jeux. Le Dr. X Mario et Puzzle League, toujours sur Game Boy Advance, voilà. Ça fait 4€ le jeu. Là, c'est pareil, c'est du archi complet. On a l'énorme mode d'emploi qui est ici, d'ailleurs. Hop, voilà, on a la petite cartouche aussi, qui est là, qui est vraiment comme neuve. Les languettes sont présentes. Et là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment sympathique. Nous avons une petite pub Nintendogs et la cover du Dr. Mario. Mais surtout derrière, regardez ce qu'on a. On a un petit poster Pokémon version Emerald. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très joli d'avoir ça pour la collecte, je trouve, dans la boîte. De ce Dr. Mario sur Game Boy Advance, voilà. Voilà du coup les amis pour cette belle rentrée pour moi, vide grenier. C'était Ghost Player, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.